Bonsoir Madame Chassis, artiste préférée, chérie. Mon frère, mon cher, on poste mon frère, et si on a poste récifème grand qui est dirigeant d'IA Chassis, vous connaissez ma vie contre ces informations des artistes là, Chassis. Est-ce qu'il y a un bon signe de vie de monsieur, chérie? Est-ce qu'il y a un bon signe de vie que méchanceté a vu vraiment, chérie? Oui, mais je sais pas mourir, non, Lina, Lina. Je ne Lina, veux pas de moi, frère. Le fait que vous soyez là, fait que vous soyez là, vous avez beaucoup de choses pour nous parler avec la famille. Bon, je vais dire, non, mais je sais pas mourir, non, il a besoin de tête, de ma totale. Il y a une coulée, deuxième par la deuxième, non. Si c'était en première, mais c'est la coulée. Vous comprenez? Ok. Deuxième par là, il y a une coulée qui est bien. Oh, eh bien, ok, pas un problème, mon cher. Si mon cher, information, ça fait mettre la joie dans le cœur. Je t'aime, tu m'as pas de moi, frère. C'est dans le bateau qui coulait à M.C.D.E. Non, pas ça coulait à M.C.D.E., non? Oh, regarde le nouvel châssis crasé, t'es notre lavelle, mon cher. Gré pas, regarde le bas commentaire à châssis. Non, pourquoi, regarde. Châssis, vous crasé, t'es notre là, ou bébé? Ah, vous crasez ça, châssis, mon cher. Nouvelle, ça. Tout média, tout ton paquet, gros promoteur qui t'a promoté ça, tout côté ou à ce châssis. Et nous sommes en train de dire qu'il a carrément, les oulis même, il va jamais déposer plainte formelle. Comme si nous au niveau de, comme si nous avons interdiction de départ, etc. Donc, il y a peut-être bon, l'autre bagaille là-dedans que nous ne connaissons pas. Mais même, moi, je dis que son petit était toujours intéressé à ça. Elle dit que même le m'a rassemblé éléments d'information, monsieur, tu as besoin de quitter le pays parce que. I mean, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de quoi ici encore. Vous comprenez pour plusieurs raisons. Raison personnelle, raison sentimentale peut-être, raison business tout, ou bien tout simplement, même gens avec tout jeune, des groupes, il y a pas yo. So, mais même beaucoup de pam, l'homme t'a parlé avec Michel Sté, nous t'a fait, d'ailleurs, je me dis ça dans l'interview, nous sommes, je me dis, monsieur, que je me dis ça publiquement dans l'interview avec Karel, je me dis, je suis avec Michel Sté, je m'a expliqué, monsieur, pour A plus B. Mais qui est où qu'elle fait? Mais qui saleté doit faire? Mais qui saleté doit faire? Donc, le moins dit que nous avons un plan pour l'IA, ce n'est pas comme si nous avons que nous avons gagné, ou même si nous parlons des bagages personnels, que nous ne voulons pas dévoiler, que nous n'avons pas envie de dire là non plus. Vous comprenez? Parce que ça, c'est des bagages personnels, moi, avec monsieur. Et même pas penser non plus que, par un monde qui ne connaît pas, que monsieur a envie de quitter le pays. Nous là? Je vais passer clean, 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 clean. As gala okay. Pixel là. Et puis deuxième bail encore, monsieur. Non, on l'autre élément du on l'autre élément positif pour nous kembe. Et là, on a entré dans phase côté. Jean Risséan vend Télémax pour 2 millions de dollars à Rosmila petit frère. Ou c'est avocat Jean Risséan ou c'est frère Jean Risséan? Mais qu'on est Giovanni Michel, c'est pas premier et seul, la question information tête en bas. Mais ça, attire attention pour me dire, côté Jean Risséan, est-ce que Télémax est pour Jean Risséan, il y est? Et puis, côté Rosemilla, je veux 2 millions de dollars pour l'acheter en télévision. Maître Camille Leblanc, qui soit qu'on est de ça, Giovanni Michel écria. Bon, madame, mon cabdou, monsieur Giovanni Michel, son nom qui dit n'importe quoi à boucher, et il n'est pas besoin qu'on ait rien, il chita tranquillement en France, d'ailleurs, faites mon avocat en France, pour l'obéir, je tape du trafic d'organes, pour que, en France, il faut convoquer, parce que, trafic d'organes, c'est un crime transnational, pour une bonne explication. Non, vous n'y citez notre trafic d'organes, faut une bonne raison de trafic d'organes, ça. Donc, son nom qui dit n'importe quoi à boucher, Mabdou, en dehors de relations avec Jean-Louis, etc., je suis l'avocat de Télémax. Faites ce fonds procédure-là contre Madame Rosemilla, parce que Madame Rosemilla, en dedans avec M. Ariel Henry, dans l'équipe Ariel Henry, et entendre, par contre, si c'est Konatel, il baille 2 millions, mais l'entendre avec Konatel pour mettre main sous Télémax. Faites ce. Conatel, pour me dire, sous son régulateur, moi-même, j'ai intégré Télémax, que mon patrimoine que m'a géré depuis longtemps, ça m'a parlé mon nom, pour bien faire Télémax,
nous te régulièrement qu'on a tel touché comme, nous pas comprendre comment qu'on a tel qu'a décidé, madame Osmia, fréquence, d'après, parce que c'est même toujours passé là, qu'on a tel monté, côté loger, le héberger et tout ça, il n'a agit de paix pour nous faire des ordres en dedans, etc. Donc, exactement, il écrit qu'on a tel monté. On va comprendre, où sont régulateurs, si sont régulateurs, et si moi-même, mon fréquence, régulièrement, ou pas qu'à prendre pour bailler l'autre monde, parce que politiquement, le non-commérage, etc. Ma bien qu'on commérage, madame Osmia, avec Ariel, ça ne me regarde pas. Simplement, je dis que mon pays de droit, ou bien un pays qui a bataille pour l'État de droit, ne pas qu'à permettre que des institutions de l'État soient capables de mettre au service de commérage politicien. Donc, madame et petit frère, tenter à travers relation salle d'affrandant et bureau monsieur Ariel Henry, tenter fait qu'on a tel bail et spec pour côté que Télémaxia. Mais valait Jean Bonnaya, respect là, valait côté au cadien pour faire télévision, mais pas comprendre. C'est patrimoine Télémaxia a besoin accaparer gratuitement. Dans le papier, madame, qu'on a tel, si madame Osmia veut et ça, il y a négocié à Prometel. Mais en aucune façon, un, Jean-Lucien n'est pas Prometel, mais Télémax. Deuxièmement, donc, Jean-Lucien n'a pas négocié avec madame Osmia Kindou, qui de par ses liens avec Ariel Henry a utilisé Konatel pour tenter de faire mon bas soin ce soir. Il me dit clairement que la bataille, d'ailleurs, je te dis ça dans ce moment passé, j'étais sous Scoop FM, question soulevée, me dit madame Osmia, sous l'acheter Télémax, propriétaire Télémax à bon, c'est pas Jean-Louis, propriétaire Télémax à bon, nous, mais quand t'as pensé pour venir mettre droit tout sous lui, à partir de position politique ou autour de M. Ariel Henry, ça ne peut jamais permettre ou elle, parce que la bataille juridique va se faire et le droit n'est pas de ton côté. Donc, mettez extrêmement clair, mais monsieur, ça, qui j'ai ton côté. Attends, mettre le bon seconde. Est-ce que nous, non, processus de vente ou bien achat de télévision entre propriétaire là et Osmina Petit Frère, est-ce que commencez à parler sur acheter fréquence? Non, jamais de la vie. Matel a tenté de monter en haut à côté le berger et antenne de l'émaction. Là, il vient avec juste de paix pour lui demander fermer et bloquer l'émission de l'émaction. Et lui, avec madame Rosmia, que c'est lui-même qui a attribué. De quel droit ou attribué alors que moi-même, je paye régulièrement Konatel. Et Konatel, qui recevait chaque année et redevance, il n'y a pas qu'à prendre carrément pour rien mettre l'autre mouli. Donc, alors, nous voulons faire bagarre d'une façon politique. Madame Rosmia, qui est avec M. Ariel dans tout le bayou, ça va intéresser. Mais quand tu as pensé utiliser aussi son état Konatel, même si le directeur Konatel a accepté de se mettre au service de projet ça, mais nous-mêmes nous disons ça pas privé. Nous pas permettre et nous avons en face, pas d'aucune négociation entre le Max et Madame Osmia. Osmia a tenté à travers position politique avec M. Ariel Henry, faire une alliance jouer au niveau Konatel pour mettre mes bases gratuitement sous Télémax. Ok, mais Kounia, mettre le blanc, Kounia, qui est-ce qui est en possession de chaîne 5? Chaîne 5, c'est toujours été comme ça, pas de bagaille. Mais maintenant, il y a Baye et Madame Osmia Baza qui devait monter sous Bala pour bouiller Télémax, pour empêcher Télémax et mettre naturellement. Donc, on a des ordres qui ont fait là.
parti de Konatel et Madame Ousnia sous fréquence qui naturellement est payé par Konatel, pas par Télémax, qui Konatel est réservé à Télémax. Donc, Télémax mettait au service Madame Ousnia pour fond des autres là, mais nous-mêmes, pas bien, entre Télémax et Madame Ousnia, pas aucune discussion faite. Et Madame Ousnia a fait discussion, pas avec Konatel, pas avec Télémax, mais avec Konatel, à travers position. Monsieur Ariel Henry, voilà ce qui se passe là. Et donc c'est étonnant que Monsieur John Minister mette en recevoir à côté de la vie en France, recevoir Ticob et puis dit n'importe quel temps, débiter n'importe quel temps. Et donc moi-même, je veux porter un démenti clair. Au moment où nous parlons, il n'y a jamais eu de discussion entre les responsables de Télémax et Madame Ousmia, en tout cas pas Jean-Henri, pas, qui pas est propriétaire et Télémax, et donc qui pas vendre Télémax. Un, deuxièmement, Bledou, et ce même jour passé, là, moi-même personnellement, moi volant document by site qui héberge moi pour me dire attention, moi à quoi avec vous, pas accepter que Konatel vienne pour aucun des autres là. Plus me voyez by Konatel. Et même document, je dis, ton régulateur, ou pas qu'à mettre au service brigandage, et les connivences politiques, pas qu'à jouer là, si vous mettez au service politicien pour faire un type de bail, ça, ou détruire l'institution qu'on y a. Moi, je mettez là, pour me dire, le directeur qu'on a tel là, si le besoin est illégal, article 27 constitution, il va l'engager tête, personne ne m'a poursuivi. Je veux être clair pour lui, m'a poursuivi, jusqu'au bout, juridiquement. Donc, les choses sont posées sur le plan juridique, mais clair avec Mme Ousmia, si ce schéma sont vous voulez prendre, pour vous prendre à faire monde, à travers politiciens, à travers WAJ, M. Ariel, d'ailleurs, M. Ariel n'est plus là. Ça veut dire que si directeur qu'on appelle là, pensez qu'à continuer au service de M. Ariel Henry et de Mme Petitfrère, donc ils se trompent, donc l'État n'a pas qu'à permettre que des mondes de cette nature utilisent la situation de pouvoir pour faire des ordres, pour poser des actes illégaux. Donc nous mettons en garde. Et nous mettons tout le monde en garde. Mais pour l'histoire et pour la vérité, pour tout le monde qui a côté de là, pour qui est-ce Télémaxier? Télémax, c'est pour un groupe d'actionnaires qui vient des Haïtiens vivant à l'étranger et des Haïtiens en Haïti. Donc, comme son société anonyme lié, donc même pas cité, quand même pas de vendre à cité 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mais ça me capable de. Société anonyme avec des investisseurs haïtiens qui vivent à l'étranger et des investisseurs haïtiens qui vivent en Haïti. Donc, il n'est pas question que l'institution de l'État mette au service de politiciennes ou bien de politiciens en d'imprimature, etc., avec Mme Ousmia et M. Ariel Henry, pour violer la loi et bafouer le principe élémentaire. Droit pour le monde pour investir dans le pays, des Haïtiens à l'étranger qui investissent dans le pays, va permettre que Konatel mette le service Madame Petit Frère pour nous faire d'appuyer son patrimoine que l'on investit, qu'on le construit et qui se patrimonie, c'est pas normal.